On reste dans l'Hérault où la direction régionale des douanes de Montpellier a dressé aujourd'hui son bilan annuel. Parmi les saisies notables effectuées en 2013, près de 21 000 articles de contrefaçon, essentiellement des vêtements, des montres, des parfums et de la maroquinerie, du tabac aussi et des cigarettes de contrebande d'une valeur totale de près de 600 000 euros. Les agents des douanes ont aussi saisi 873 kilos de résine de cannabis, près d'un kilo de cocaïne et plus de 5 kilos d'héroïne. Parmi les axes les plus surveillés, l'autoroute A9, son dédoublement en cours risque de nécessiter une certaine adaptation de la part des agents. Ça nous oblige effectivement à réfléchir à de nouvelles méthodes et qu'on est en train d'expérimenter actuellement et qui ont l'air de fonctionner plutôt bien. Les motards, notamment les motards douaniers, seront très certainement un des fers de lance de la douane dans cette configuration nouvelle.